C'est qui les mecs? Et surtout, je suis aussi contente parce que les gaziers avec qui je vais jouer, et la gazinière avec qui je vais jouer ce soir, je vais vous présenter de suite. C'est Mumu qui fait de la basse, qui fera de la basse pour nous ce soir. Batteuse pour vous ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mario, le bon Mario pour vous ce soir. Et à la guitare électrique, Mister Raffaello. OPA, orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous ce soir. C'est le concert de rentrée. Allez. Ouais. Le marasme et le désespoir qui courent dans nos villes et nos campagnes ne seront pas asséchés par des paroles venant d'en haut et de loin, alors que le champ de l'évidence n'est plus labouré et que l'on s'ingénie à remplir de vent des mots dont plus aucune vérité ne suinte. Exact. Tandis que les cités n'attendent qu'une allumette pour s'embraser de nouveau, tandis que les expulsions des désargentés se poursuivent dans l'indifférence générale, tandis que nos prisons débordent et que nous-mêmes, femmes et hommes libres, sommes claquemurés dans nos quotidiens, pris en otage par un système où nous n'avons plus qu'à nous réjouir de la chance d'être là, quand on sait qu'ailleurs le pire est pire que tout. La chance d'être là. Quelle touche d'espoir ici même à brandir comme un étendard, alors que notre peur tenace de l'inconnu nous pousse à fermer nos cœurs et nos esprits. Notre peur tenace de l'inconnu nous pousse à fermer nos cœurs et nos esprits. Parcourant sans toujours calculer la longueur de mes pas, le petit périmètre de mon ordinaire, en trouvant l'écrin poussiéreux qui nous enclôt, j'y décèle des éclats de beauté. Des beautés à polir, des rencontres qui s'enracinent, des mains et des regards à saisir, de la vie. Une femme soudain monte sur la barricade, soulève le voile, éclaire de sa lanterne les quelques mètres au-devant et me dit, cette femme sur la barricade, tant que nos pas battent le pavé, tant que nos os tiennent nos carcasses, tant que nos voix nous portent, tant que nos lèvres se soudent, tant que l'enfant est là et nous vient, tant que nos peaux se frôlent, tant que nous savons encore désirer être patient et impatient, être patient et impatient. Alors rien n'est perdu, puisque tu le sais, l'amour nous en sert et nous sert de guide. L'amour nous en sert et nous sert de guide. Ainsi, laissant parfois notre rage au repos, poser au creux sa tête et respirer sans restriction les parfums délicats de la tendresse. Les parfums délicats de la tendresse. On a dû la ramener à côté. Elle n'est pas perdue avec le bouchon. Ouais. Rouge. Ah, il est où? Je sais pas, vers là-bas. Non. Pas laissé. C'est pas perdu.